C'est juste pour faire un avant-trou pour que ça morde dans le bois, quoi. Ben, le pointon, c'était parfait. Non, non, c'est trop gros. Mais il y a un outil qui existe, c'est comme un... Tu prends un vieux tournevis, tu l'affûtes comme une aiguille et puis tu fais l'avant-trou. Pourquoi tu laisses pas... Donc avec des contacts... Donc c'est des vis de combien ça? Ah, je sais pas, j'ai pas mesuré. À vue de nez, c'est du 12. Ouais, ça dépend d'épaisseur. Hein. C'est du 12, hein. Des vis de 12, des vis à boîte 12. Hein. 12 ou 16? Je sais pas. Je sais pas trop. Je les ai pris dans ta boîte là-bas. C'est ça, c'est cette forme-là. Elle est prolongée. C'est-à-dire comme ça. Et qu'elle se finit par tout ça. C'est pareil pour ça. Ça c'est un truc à se la remplir la tourbe, tu vois, c'est dangereux ça. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait donner un coup de meule de l'autre côté, c'est vrai. Il faut donner un coup de meule parce que sinon il va l'avoir dans le... ça va lui rentrer. Dans le... On va pas essayer d'escalader la table trop non plus. C'est que ça soit collé. Ça, on baisse. Ça, on baisse. Alors, avec quoi on va le couper? Voilà. Le geste qu'il ne faut pas faire.